Dans plusieurs établissements scolaires de l'enseignement primaire et secondaire, le personnel administratif est déjà à pied d'œuvre à près de deux semaines de la rentrée effective des classes, conformément à la note de service du ministre de tutelle qui fixait la rentrée administrative pour ce 21 septembre 2021, a expliqué Vincent Soumboutachi, directeur du CG Kwame Nkrumah. Conformément à la note de service, la rentrée et administrative a bel et bien eu ce matin à partir de 8h30. J'ai reçu les collègues, l'équipe de maîtrise, nous avons échangé et nous allons continuer le reste conformément toujours au calendrier en cours. La rentrée administrative, en fait, c'est pour déjà démarrer l'année scolaire. Donc, voir les préoccupations, qu'est-ce qu'il faut faire avec tout le processus de l'année qui va suivre. Donc, il faut d'abord un contact avec toute l'équipe de maîtrise pour échanger sur certains problèmes et continuer au fur et à mesure jusqu'à arriver à la rentrée proprement dite. Cette même mise au point a été observée dans d'autres écoles publiques et privées, notamment à Shakespeare Academy. La rentrée a été effective. Avec des enseignants, nous avons tenu une réunion. Nous avons fait le découpage annuel qui s'est suivi des progressions et ensuite la distribution du matériel didactique aux enseignants pour le bon déroulement des choses durant l'année scolaire. Nous étions avec le superviseur, le chargé d'études, la coordinatrice, moi-même, la directrice et les enseignants. En fait, cette journée, nous n'avons pas encore fini parce que du coup, nous avons une deuxième séance demain. Et durant cette deuxième séance, nous allons mieux organiser la journée du 28. Après cette rentrée administrative, l'heure est maintenant à la répartition des classes pédagogiques, l'élaboration du calendrier des rencontres avec les partenaires sociaux, l'acquisition du matériel de première nécessité. On rappelle, le démarrage effectif des cours aura lieu le 4 octobre prochain.